Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. De 2011 à 2016, m'a fait musique. 2016, nous tournons. Et puis, je ne joue pas. Et puis, il y a un monde qui dit ah, les présidents pas là. Les présidents pas là. Les présidents pas là. Tout me fait mal, oui, là. L'homme peut arriver, mais l'homme arrive pour m'aller. Je dis bien arrivé mon budget à réformer. Il y a la jazz qui va le performer. Il y a la jazz qui va le voyer monter. Il y a la jazz qui a fini qui va le faire bagaille. Nous-mêmes, nos budgets aller. Nos budgets c'est ça, ils ont demandé, mais nous pouvons reprendre. Nous pouvons reprendre si nous allons. Parce que si nous disons à des foutres, pas de monde qui a fait aller. Et puis moi je dis, ça qui va content. Ça qui va content. C'est bien moi, je suis dans ma garde, j'en ai juste la main. Actuellement là, on a avenue Monseigneur Guillou, à côté du Palais National. Le travail ça a entré dans le cadre, toujours une construction quadrilatère que le ministre a été défini. Et dernièrement, l'autre là, c'était pour nous boucler quadrilatère. Pas oublier que nous devons nous faire toute route qui est intérieure à quadrilatère. Et mes premiers routes qui est intérieure à quadrilatère, nous avons décidé de mettre dans la donne, c'est côté nous là, qui c'est avenue Monseigneur Guillou. Et je dis à vendredi 14 mai, d'ici demain, nous avons commencé à mettre en obé la donne. Et nous avons, avant 18 mai, pour nous faire une baille, tout le monde ça. Dans mon territoire, y compris entre rue des Casernes, ou du moins sa ville de la République, et rue Saint-Honoré. On a mis les bouchées doubles, on travaille la journée pour la nuit pour nous atteindre l'objectif. Il était fermé, certes, mais depuis que nous commençons le travail là-dedans, là, il est obligé de retrouver. Et malgré notre travail là-dedans, nous avons les usagers ont commencé à l'utiliser normalement. Bah, je dis, sauf si tu as une décision. Gouvernemental pour fermer. Sinon, la pouvait à la circulation. Normalement, au Kababouel, côté lié l'agi et la son belle route. Bah, c'est même on est à la Réunion, on est content là, et comme ça, on va le content tout à venir. C'est dans le même cadre d'ouverture ça qui fait nous. Si nous réouvrons, le ministre dit si nous réouvrons, nous obligés à aménager le bâtiment. Bon, puis bon confort à passer là-dedans. Et c'est dans le cadre ça. Et en plus, elle fait partie de son qui est intérieur à quadrilatère là. C'est la raison de plus qui fait nous obliger de rénover là. D'ici semaine prochaine, on a ouvert la circulation avec en haut. Et on a bien mis en B, trottoir, tout bagage. Nous on a pété couche de base là qui n'a pas passé d'ici ce soir. Et compagnie a bien fait imprégnation dès demain pour commencer à mettre en haut. Il y a des tuyaux qui étaient endommagés. Et ce n'est que hier qu'ils ont fini de réparer là et puis nous vient le champ libre pour nous travailler nous-mêmes. Parce que nous sentons pas pour finir de travailler par nous, nous ne pouvons pas de côté, nous ne pouvons pas intervenir. Hier, ils ont fini grâce à Dieu, ils ont fini hier et puis nous tous à marcher à cheval. Là, pour nous, ça n'a pas à remettre le travail là dans les prochains jours. Je n'ai pas fini de faire tout le travail que nous devons faire. C'est juste pour nous éviter, ça va arriver nous encore. Nous sommes obligés de prendre patience à dîner pas pour nous tenir fin de nous tout bagaille ok. L'elfine ranger, nous faisons prendre soin de mettre le système en charge pour nous réparer aucune fuite avant de nous intervenir. Sinon, c'est à plaver messieurs à terre, imaginez. Mais moi, ça fait mal de faire tout bagaille ça et puis après deux jours, pour y avoir une levée. Tout le monde, pendant que nous avons passé, nous avons mis en haut dans. Avenue Monseigneur Guillaume, on a tout corrigé, tout côté du Népaté intervenir. Pendant la fin, on a tout corrigé pour ne pas passer là normalement. D'ici lundi, on a asphalté tronçon ça qui mesure 376 mètres. On a vu la rue de Saint-Honoré. D'ici lundi, on a pas.
fait. Après ça, l'entim fait lui, n'a pas une interview dans rue de la justice. Pour se concentrer à 5 côtés par la justice, nous avons fait un petit bout de ça. Ça fait une négociation avec les Chinois qui ont fait building ça pour ouvrir et oui des ministères pour nous capables de faire. Nous travaillons vraiment belle en pile. On a nos typhons qu'on y a là. Nos typhons, on a qu'à foutre typhons. Elles sont belles bagages qui ont fait dans la cafou typhon. Elles sont belles bagages qui ont fait dans la cafou typhon là actuellement. Là. Je venais sur le président de ma pile. Je venais sur le président de ma pile. Et c'est le président qui fait ça pour des pays. Après ça, pas un autre président qui fait ça même. Moi, je ne suis pas capable de dire merci au président Jovenel Moïse. Parce que moi, je fais un travail réel. Il y a un travail qui est force là-dedans. Justement, mais qui est-ce qui va comprendre ça? Exemple, opposition. Donc, justement, nous mettons à pour nous repenser l'idée, pour nous comprendre que Haïti, ce n'est pas pour celle de Jovenel Moïse, c'est pour ni opposition, ni pour Jovenel Moïse. Nous avons un plus bel travail que Jovenel a fait dans le port de paix. Nous apprécions ça en pile et en pile côté dans Haïti, nous est... président Jovenel, l'a fait un pile bel travail et nous comptons en pile parce que les oppositions, ce n'est pas rien, yo tu as fait, mettre le peuple en misère, yo tu as tué, nous qui ont fait ça, qui passe ça. Ce n'est pas pour ça. Chaque fois nous avons un président, c'est nos convictions, nos problèmes dans la guerre. Pour nous envoyer l'année, all the country doing better. Senator Domingo doing better. The Bahamas and the United States. All the country try to come together, to put together, so they could help themselves. But we Haitian people, we try to help ourselves. Glad of Jovenel who think about us. Who do everything for us. Mon cher président Jovenel, nous do merci encore. Merci encore pour tout ça. Pour try faire. Le président Jovenel, merci. Comme nous te connaissons ça déjà. Et ou même c'est toi un garçon depuis longtemps, depuis la chambre de commerce, où tu as bataille pour que Nord-Ouest sorti n'a pas dit qu'il y a. On connaît tout le monde qu'on a fait depuis la chambre de commerce avec bourgeois qui t'a toujours traité toute zone en parlant pauvre. Ou même on t'a toujours sous chaque 100 dollars, on t'a toujours dit ça dans la chambre de commerce, sous chaque 100 dollars que tu gagnes, qui gagne pour le pays, les Port-au-Prince, qui est un pays. Pour 80 dollars, l'autre 100 là pour distribuer dans le département. Je dis à vous monter comme président, nous tous les coups, mais nous mettons comme président. Mon cher, nous viens de vous, mon président. Bataille ça, ou à peine, là, ou pas pour vous. Je suis en train de voter président Jovenel comme nègre là, comme nègre pour les petits, c'est des hommes qui ne peuvent pas voter. Mais après, la réaction à faire là, qui montre. Pays, c'est prêt pour pays avant de la famille. Si l'opposition devait montrer un bagage sérieux, il t'a mis de l'école, il t'a fait route, il t'a fait travail. On parle ça au fond. Et puis ça, je dis à vie Jovenel, c'est le président Jovenel qui remettait. Nord-Ouest, dans le cadre géographique du pays d'Haïti. Parce que depuis la nuit des temps, ils ont oublié le pays. Nous ne connaissons pas qui est, qui ça, Nord-Ouest fait. Mais qui est dans la République de Port-au-Prince qui est clé, qui attaque le pays de temps en temps. Monsieur ça c'est bon, parce que c'est qui a pris le clé pour attaquer le pays. Le ministre, c'est l'équipe premier ingénieur du ministère. Là. Donc, c'est toujours une visite qui est reconfortante parce que le ministre vient là pour lui porter appui, expérience, expertise, pour lui capable de booster le travail. Dans ce sens-là, pour me porter le débarquer, c'est diriger le statut qu'a voilà moi là, ensemble avec le jeune roi qui est venu construire. Qui est assez symbolique pour ville ça, côté c'est la porte d'entrée d'Haïti, parmi les deux. C'est la ville ça, département ça de Mol Saint-Nicolas, et c'est là que se font les débarqués, donc c'est une ville ici. Jusqu'à présent, pas de problème, il n'y a rien dans la ville ça qui m'a fait historique. La ville de Mont-Saint-Nicolas, c'est la porte d'entrée d'Haïti, dans la mesure où c'est la Christophe qui est débarquée. Donc, Port de Paix, qui c'est le chef-lieu, il est représenté en ville historique.
Et de toujours, moi, c'est un héros qui était plus méprisé dans l'histoire, c'est Cabral Lamont. Et un pliant, pas quoi qu'on est qui fait plus. C'est sûr que l'autre monde n'est pas génial pour mener dans l'indépendance. Mais en termes de bravo et d'héroïsme, si bon monde qui dépassait, vous savez le faire. Je pense qu'il était légitime lorsque le ministre s'en va feu vers lui, que nous avons lancé la conception. La conception qui s'en vient, c'est que nous devons en même temps utiliser un giratoire qui va permettre de réguler le trafic là. Mais c'était permettre que deux œuvres soient liées. Et si vous regardez ça, il est censé représenter un boucan qui, quelque part, rappelé boucan feu du bois caïman, sont du feu lié, qui retrouvent leur équipe Jedou qui parle bah, des mouvements. Jedou n'a pas monté en l'air. Et j'aime bien dire que le baguette de l'État, c'est l'État tiens. Et l'État est priorité, comme vous dites, à nos priorités. Nous avons vraiment en tant que directeur du département de la Tibonite, pour venir là pour porter la même faute avec Fréa Angelo, qui est directeur du département de la Nord-Ouest. On ne voit pas toujours tout. Normalement, Asphalta nous produit la qui est sous direction PAP. Après ça, nous pouvons nous transporter là. Mais il faut que nous, c'est plus l'équipe là, c'est l'équipe PAP là, mais là avec l'équipe Angelo, qui a pas travaillé ça là. Bon, ça me garde. Après, on va appeler, on va des mêmes propres. On va appeler nous, il est là. Bien que ce soit par une cardiométrie, on va sauter par une cardiométrie. On fait ça, on va appeler ça, on va faire. Donc, nous n'est pas content, ça fait le problème. Il va de même là. Depuis la présidente dit que ministre, nous voulons chaque semaine nous venir. Chaque semaine nous sommes là. Et il est toujours là. Même si nous sommes loin. On est encore. La centrale qui a 90% fini parce que. Pour capable de vérifier que nous avons des travaux et finition, nous avons vitrerie et puis nous avons fait des petites touches, retouches à côté sort et moteur et puis nous avons construit ça pour qu'un des réservoirs. Nous devons construire par terre de façon pour nous capables de centrale là un bel visage. Le travail de l'infini ça pas qu'à empêcher parce que où qu'on est la construction, il y a un travail qui a fait en parallèle, il y a un travail qui a fait l'un après l'autre. Donc c'est une raison, depuis que nous étions sous bassement, nous avons déjà construit tout ce qui était pour recevoir le moteur. Et nous avons construit tout le chemin de tableau qui pour diriger vers la salle de commande. Donc nous sommes capables de faire la fête là sans problème. Donc c'est grave aux vitriers qui ont fait là, Getty, Retouche. Nous pensons que tout le travail nous a fait sur l'extension nous avec le bon ici. Donc l'extension là, c'est seulement nous toiture légère là et puis. Son concours n'a fait avec trois catégories. Là, il y a des monde qui est dans la radio, monde qui est dans la télévision, monde qui a écrit, ça n'est la presse écrite, et monde qui est dans le journal en ligne. C'est trois catégories qui sont participées. Sur le vol de règlement, il y a un bagage qui dit qu'il faut être attaché à un média, ça veut dire qu'il faut travailler dans un média. Deuxièmement, il faut vivre dans le pays. Troisièmement, il doit présenter un projet, c'est-à-dire l'idée reportage que le GER, dans le formulaire que l'a rempli, il a bien possibilité pour le capable de faire tout détail sous projet que le GER dans l'esprit là, projet de la vie de travail sous l'IA. Qui j'ai un concours à faire, son concours qui a fait d'abord inscription à partir de jeudi à que nous lançons là, qui c'est 14 mai 2021, au monde qui est allé sur le site AGED là, www.ahjedd.org mounan a monté sous site là et que ce soit sous smartphone li ça mérite téléphone intelligent que ce soit sous ordinateur li gen possibilité pour le capable monter sous site là et dans menu sous site là la joine un espace qui est les concours les cliquer sous concours là la joine deux formulaires un formulaire qui c'est règlement qui bail tout détail pour moun respecter qui parler qui gen concours a déroulé. Si moun nan d'accord avec ça dit dans règlement l'a bien accès pour qu'on y a capable rempli formulaire là donc les moun nan fin rempli formulaire là c'est inscription y a fini le 28 parce que inscription l'a duré 15 jours 14 mai pour 28 mai après 28 mai ou pas bien accès pour capable rempli aucun formulaire sur site là encore après ça après période d'inscription pral gen on sorte de formation que vous pouvez faire avec tout le monde qui inscrit. Après formation pour le monde qui inscrit, pour aller gagner un jury. Jury ça lui-même, il pourra garder potentialité ou bien portabilité et projet.
Et il y a bien jury ça lui-même l'a bien pour choisir 15 projets. 15 projets à savoir 5 dans la presse parlée, 5 dans la presse écrite, 5 dans la presse audiovisuelle. Donc 5 dans chaque catégorie, ça qui bail 15. 15 moun sa yo, il y a bénéficié assistance de un moun qui a encadré yo, nous ka rele l'encadreur, nous ka rele le coach, c'est-à-dire un moun qui a là pour kembe communication, interaction avec 15 moun sa yo. On l'autre catégorie moun et 15 moun sa yo yo pral bénéficier du même coup en sorte de subvention bon côté organisation concours la subvention ça c'est pour faciliter yo rive faire travail de terrain que y a bien pour faire dans cadre réalisation dans cadre production reportage investigation que y a envie faire après sélection 15 moun sa yo a bien yon mois délai yon mois pour yo capable remettre production finale là. Et après, yo fin remettre production finale là, a bon deuxième jury qui pourra statuer pour capable joindre yon gagnant dans chaque catégorie, c'est-à-dire a bien trois moun qui a sorti dans 15 ans, même si a gagné et a bien des primes et de consolation pour l'autre moun yo, mais a bien trois gagnants, yon gagnant par catégorie. Concours ça m'a signalé pour nous que Najet li gagne trois catégories membres. Des membres fondateurs, ça veut dire les gens qui étaient là, qui prennent l'idée, qui gagnent l'idée, qui fait là. Et ils ont l'autre catégorie qui est les membres adhérents, ça veut dire les gens dans le langage, on est capable de dire les gens qui montent machine dans la route. Et ils ont l'autre catégorie membres qui c'est des gens qui sont physiques, qui sont personnages moraux, c'est ça, les des membres d'honneur. Pour année ça, restriction faite. Côté que même fondateur, yo, malheureusement, même s'il pas fait, même s'il pas fait au plaisir, mais malheureusement, 17 personnes qui étaient formés, qui étaient fondés à GEDIO, personnes ça yo, yo pas gagné droit pour participer dans le concours là. Prio, yo un petit Jean pile, même capable citer quelques dans prio, yo compté by des livres, yo compté by laptop, caméra photo et numérique. Billet d'avion, mais billet d'avion c'est pas pour quitter Haïti pour aller dans l'autre pays, c'est sur besoin de vivre dans pays d'Haïti même, billet d'avion y est, un kit que y a bail pour moun qui a pratiqué journalisme multimédia ces derniers jours, il y a des séances de formation, des séminaires de formation certifiés que vous pouvez bail sur le journalisme multimédia. Et formation tout sur la passation de marché public, qui tout ça aussi des formations continues que moun nan a bien accès à li et que moun nan l'el fini la bien certificat qui bal ka aider l'avancée à aller beaucoup plus loin, j'aime dire là. Yo d'accord jusqu'à 3-5 minutes pour un reportage audiovisuel. Ok? Et si et la presse écrite, yo gen jusqu'à 1000 mots. 1000 mots. Et pour radio, c'est 1 minute et 30 secondes. Première étape là, c'est tout le monde qui inscrit ça pour se mettre en projet. Ou qu'on vit un reportage, ou voulez un reportage, ou venir avec projet reportage là. Qui suis-je pour le traiter? Pour qui soit traité? Qui doit traiter? Soit besoin pour traiter? Maintenant, le ou soumettre projet, il y a un premier jury qui va faire un travail de tri dans le projet. Et c'est le fait de choisir 15. Reportage, 15 mounes, 15 sujets de reportage. Donc, dans chaque catégorie, écrit, parler et audiovisuel, on a pour recevoir 5 projets. Ça termine par 15. Donc, c'est 15 mounes qui ont continué route là avec nous. C'est 15 mounes qui vont bénéficier de coaching, qui vont bénéficier d'accompagnement de journalistes qui vont être disponibles pour eux, pour aider à faire travail là, pour conseiller, pour guider eux. C'est 15 mounes que le deuxième jury a pour analyser maintenant le résultat final là. Projet a été accepté dans le premier temps, ou pour aller soutenir et faire reportage dans le second temps, avec accompagnement coach et accompagnateur. Et après, le deuxième jury pour juger le produit fini qui va nous lauréat dans chaque catégorie. Donc au départ, tout journaliste qui a inscrit, mais dans la première phase là, après formation, nous allons sélectionner 15 projets, 15 idées de reportage qui pourraient après produit
et puis pour ensuite nous choisir lauréat dans chaque catégorie. Quatre policiers placés dans isolement plusieurs lots en bas Mézi Conservatoire après incident qui arrivait samedi 8 mai dans la ville Wanamet, côté yoté matérisé un jeune garçon jusqu'à ce qu'elle mourit. Victime n'a été montée sous tête un bis qui était un pèlerin là-dedans d'après témoignage. Directeur général AI Police Nationale d'Haïti, Léon Charles, fait qu'on est au commandement PNH là regrette incident ça. Pendant le rappeler, chaque policier, yo mission, yo c'est protéger, accès, vie, population. Numéro 1, Police Nationale l'a dit, a continué travail pour faire respecter normes et principes institution policière. Yo extrait dans le micro, Midra Emilias avec Wilson Idoré. Après un appel qui était lancé par des pèlerins, qui t'abrial Saint-Raphaël, à bord de plusieurs bus, il y a un jeune garçon qui montait dans l'une des bus. Et une patrouille composée de plusieurs policiers de l'UTMO et des policiers administratifs, t'es fait une intervention pour t'es fait que l'individu ça descende de bus là. Malheureusement, un incident regrettable t'est venu passer. Et c'est incident ça que nous tous à regarder sur les réseaux sociaux. Pour qu'on y ait, police judiciaire du Nord déjà tendait nom de famille victime. Et division inspection générale du Grand Nord est en charge dossier et jusqu'à minute ça, quatre policiers placés en isolement, des mesures conservatoires qui prennent contre trois autres. Selon la procédure qui est établie dans le cas de flagrance, le dossier 1 pourra être transféré dans le commissaire gouvernement zone pour les suites judiciaires. Sur le plan administratif, l'autre sanction apprend contre le policier. La direction générale a déploré de tels comportements. Et comportements qui sont indignes, pas faire honneur à l'institution, dont respect droit de l'homme constitue un principe fondamental qui doit guider les policiers dans le travail qu'ils ont fait. La direction générale l'a présenté sympathie à la famille M. Siméon Pegui qui mourit après qu'il est arrivé à l'hôpital. PNH là a défendu tout policier qui est victime d'un exercice fonctionnel. Mais tout l'a sanctionné tout policier qui fait genre de acte qui n'est pas correct ça. Nous avons annoncé dans le grand titre tout Office Protection Citoyen OPC dans tête collée à Mairie Delma, mais t'es campé jeudi 13 mai à un bureau médiation avec vulgarisation juridique dans la commune Delma. Responsable de l'institution, si en sens ça, il y a un partenariat sous existence extrictissa dans la commune qui l'a pour bail appui juridique à citoyen. Lounel Jean-Louis Michel Joseph, compte rendu. C'est un bureau qui trouve le nom de Charbonnière, Delma 33. Bureau médiation et vulgarisation, par le bail appui juridique, n'a aidé population commune à utiliser médiation pour résoudre conflits, recevoir et faire suivi plainte sous violation de la monde, bail formation juridique sous violence sous femme. Protecteur citoyen, maître Ronan Edouville, déclaré qu'un professionnel et spécialiste qui est disponible pour offrir service à eux. Promouvoir une culture de la paix et de la tolérance par la résolution pacifique des conflits. Encourager les jeunes, les citoyens, les citoyennes dans la commune et d'autres localités avoisinantes à expérimenter l'arme de la dialectique, la concertation, la médiation en lieu et place de la violence. Des collègues psychologues, juristes, sociologues, travailleurs sociaux, agents de communication, criminologues qui font partie déjà du personnel de l'OPC et qui vont fréquenter régulièrement le bureau seront à la disposition du public, des habitants de la commune, pour offrir des services totalement gratuits. Le bureau de médiation et de vulgarisation juridique est un espace de référence qui facilitera
la médiation, la concertation comme solution à des conflits d'ordre professionnel, d'ordre administratif, d'ordre social, d'ordre familial ou autre. On se chargera de promouvoir les valeurs ou les idées relatives à la tolérance, à l'esprit de compromis, à l'acceptation de la différence, le respect de la loi dans les rapports sociaux au quotidien. Chef coopération ambassade pays la France là Pascal Hadja Ali dit lui espérer bureau ça pas seulement aider résoudre conflit dans commune là mais sikti ça pral contribuer dans ba information juridique et puis aider pays à grandir dans question médiation. Il est important de continuer de promouvoir et réaffirmer le lien indissociable et indéfectible entre la réalisation des droits humains et le développement durable. En Haïti, les droits humains sont un axe important de notre coopération et à titre plus personnel, c'est un axe qui est extrêmement important. Cette volonté marquée s'exprime par l'appui de l'ambassade à des organisations haïtiennes de défense des droits humains. Ce bureau aussi aura vocation à faire de la médiation, c'est-à-dire faire le médiateur entre deux parties qui viendront ici avec un différend et j'espère qu'ils repartiront avec une solution discutée, un compromis. Et nous savons combien Haïti a besoin de médiation, a besoin de travailler dans le compromis, d'accepter le compromis. Commune Delma, c'est la première commune qui bénéficie du bureau SAA. Démarche ça a rentré dans le cadre du projet pilote Office Protection Citoyen pour implémenter et structurer ça dans tout le pays. Sainte Carole Levesque sorti un rapport 25 pages sous institution policière. Dans le document ça, SKL identifié un ensemble de problèmes qui doit résoudre dans la police là pour les capables remplir mission qui s'est protégée à quel service population. Responsable relations publiques et strictes là, Jacques Charles, qui présentait rapport ça dans émission mise au point, soulevé quelques points essentiels dans le document ça et puis un ensemble recommandations qui permettre institution ça gagne un mode de fonctionnement qui répond à travail. Jacques Charlotte a répondu question à Ruben Dumont dans émission mise au point sur TNH. En suivant. L'enquête que nous menons et nous remarquons que un problème d'effectif, un sous-effectif en rapport là qui lié toi insécurité dans un pays. L'enquête nous menons suivant rapport que BINU est sorti le 4 mars 2020. Nous avons reconnaître 15 072 policiers en décision policière. Là. Et comment 15 072 policiers, ça vous parti? Ou gagner 10% là-dedans qui sont femmes, ça veut dire 10% là-dedans qui sont policiers, ou gagner 20% là-dedans qui envoisinent 3000 policiers. Maintenant, 20% dans les policiers qui sont femmes en décision, ils sont détachés avec primature, les ministères et les autorités politiques. Il est détaché tout avec monde qui dans secteur avec business monde qui dans secteur privé pour sécuriser. Il est détaché tout avec amis chef. Il est détaché avec la chef tout, il faut le dire. Donc ça vient fait où était seulement 12 072 policiers. Maintenant 12 072 policiers ça là seulement pour bail sécurité avec une population qui probablement estimé à 15 millions d'habitants. Ça veut nous dire 15 millions d'habitants, chiffre ça, nous ne pouvons pas le dire, c'est IHS qui va nous, mais c'est suivant le recensement qui était fait en 2003 en un pays. Je te mettais un rythme de croissance démographique qui est estimé, je crois, à 2,5. Donc là, on regardait les capables aux environs de 13 000, 14 000 jusqu'à 15 000 policiers. 15 millions d'habitants. Maintenant, là, on a telle situation où pas capable véritablement adresser problème de sécurité qui gagne dans le pays. Parce que même la question sécurité dans nos pays pas résumé seulement à effectif en institution policière, mais l'État a joué un rôle important dans garantir un climat de stabilité et un climat de sécurité dans le pays. Si on suit bien, suivant les normes internationales en matière de sécurité, en matière de sécurité de police, vous reconnaissez que vous avez gagné un policier pour 225 habitants. Alors que au moment où nous parlons,
actuellement, gagner un policier pour 1000 habitants en Haïti. Donc, son situation qui délétère, qui mandait pour nous apprendre avec un pile d'adresse, avec un pile qui étude d'esprit. Donc, suivant ça, nous dit, pour nous-mêmes, l'on fait calcul, là, tu as supposé gagner 53 334 policiers actuellement en Haïti, qui pour au moins garantir un minimum de sécurité en d'un pays. J'en ai toujours fait remarquer, quelques recommandations que nous mettons dans le rapport là, c'est suite à focus group, à deux enquêtes que nous menons, et puis nous remarquons l'institution policière, l'attaque a besoin ça comme recommandation parmi toutes les autres recommandations que nous avons fait. Nous disons l'organisation SKL recommande d'organiser des formations continues pour les policiers, promotion par promotion, des formations qui a trait à notion essentielle des droits humains. Il faut positionner ça comme formation de base. Recruter des psychologues au sein de l'institution policière afin de prendre soin de la santé mentale des policiers. Permettre aux policiers d'avoir accès au crédit. Ce policier a gagné accès au crédit par rapport à la situation de marasme économique que nous trouvons, et ça nous croit fondamental. Créer des programmes de logements sociaux pour les policiers. Permettre aux policiers d'accéder aux médicaux en les intégrant dans un système d'assurance maladie. Ajuster le salaire des policiers, mener des enquêtes sur le train de vie des policiers ainsi que sur leurs biens mobiliers et immobiliers, garantir l'indépendance de l'institution policière sur le plan économique et financier, augmenter l'effectif de la police nationale d'Haïti, augmenter le nombre de voitures ou de parcs automobiles de la PNH afin de fournir aux policiers de meilleures conditions de travail. Augmenter le nombre d'antennes dans les zones stratégiques sur tout le territoire de la République d'Haïti. Et pour qui ça? C'est effectivement parce que par rapport à la question de sécurité, nous estimons, pour adresser les problèmes d'insécurité qui gagnent dans le pays, l'État est important. Puisque l'institution policière n'a pas assez de moyens pour mettre à la disposition de pays, de commissariats et de sous-commissariats dans différents espaces, eh bien, l'État est capable de faire une étude pour regarder qui zone qui est capable mieux appropriée pour mettre de antennes. Par contre, si on remarque qu'il y a une poste marchand, ou bien gagner la boule montée, etc. C'est des antennes qui sont capables de permettre ou être beaucoup plus près population dans l'idée pour capable aborder sécurité avec un pile rationalité, avec un pile qui étude d'esprit. Et puis, secrétaire d'État sécurité publique là, annoncé yon série mezi pour contrer ka réaction nèg ak zam yo nan peyi a. France Sébastien Jean-Charles fait konnen, le gouvernement travaille ak divers partenaires pour permettre moun nan zone vulnérable yo jwenn assistance yo mérité. Falan Delphin, Michel Joseph. La présidence et le gouvernement en font-ils une priorité? Tout un ensemble de mesures de sécurité publique sont mises en œuvre, comme la déteinte des vitres de véhicules conformément au communiqué du 3 mars 2021, l'intensification des patrouilles policières et des opérations spéciales, la sensibilisation et la motivation de la population par le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique, notamment pour la mise en application de notre leitmotiv Jewe Bouche Palais. De concert avec la police nationale et d'autres partenaires de la sécurité publique, le ministère de la Justice et de la sécurité publique travaille afin de faire face, autant que faire se peut, aux violences de toutes sortes et de toutes parts, particulièrement le kidnapping. Nous travaillons également avec quelques partenaires, dont le FAIES, au niveau social, afin d'aider les populations vulnérables vivant dans certaines zones de la région métropolitaine. Dès notre arrivée ici, nous avons mis l'accent sur toute une série d'actions bien planifiées. Pour ce faire, le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique, dans son rôle de prévention, d'évaluation et de contrôle, a élaboré un plan d'action pour mise en œuvre immédiate, afin de répondre aux exigences de l'heure, telles l'évaluation constante de la situation sécuritaire,
la lutte contre le kidnapping. Le référendum constitutionnel et les joutes électorales pour le renouvellement du personnel politique du pays. Un deuxième document qui fera l'objet d'une proposition de politique quinquennale de sécurité publique pour l'État haïtien est en cours d'élaboration. Et en termes de priorité, entre-temps, nous travaillons aussi dans le but de renforcer notre service de renseignement et d'information à travers un centre d'alerte dont nous disposons. La population peut atteindre ce centre au numéro suivant, 46 49 20 20, 49 07 20 20, 47 13 20 20, 44 47 20 20, 44 30 20 20, 49 33 20 20. Une équipe au niveau de mon cabinet travaille quotidiennement pour développer et promouvoir des approches intégrées dans la lutte contre le kidnapping en misant sur la complémentarité, le partenariat et le partage des expertises. 13 mai 2021 marqué 19 l'année existence commune Tabac dans le département l'Ouest pays. Il y a un pile progrès qui est réalisé dans Tabac après création li d'après un ancien magistrat commune là qui profitait sous lié plusieurs problèmes commune ça a fait face. Ancien magistrat commune là souhaitait l'état central voyager sous Tabac pour capable de résoudre une série problèmes qui dépassaient compétences à mairie commune là. Détail dans le micro Jocelyn Pierre avec Michel Joseph. Tabac, c'est un carrefour d'opportunités, mais c'est surtout un carrefour de vulnérabilité. Un carrefour d'opportunités dans la mesure où on a constaté que l'aéroport là, c'est quand même un équipement collectif et une infrastructure qui est extraordinaire pour Tabac en tant que tel. C'est pour l'orgueil, par exemple, on commune qui gagne Rombar-Bancou, qui gagne la compagnie comme il faut, qui gagne même l'ambassade des États-Unis, qui est le parc historique à la suite, avec un gondal gros institution, un gondal gros entreprise qui est dans Tabac, et certainement il y a une attraction naturelle que crée. Mais malheureusement, tant prend autorité de vitesse. Et ce gros problème qui gagne, Tabac n'était pas une ville insalubre dans le temps, parce que justement tout excès d'eau, il était absorbé par justement terre parce qu'il était agricole. Mais le fait que changer de destination, il faut que naturellement de l'eau saillot, il était capable de convoyer directement vers la mer. Or, nous constatons que Tabac, c'est peut-être une rare ville dans la zone métropolitaine qui n'est pas drainée. Le drainage officiel de Tabac n'est pas fait. Et c'est gros problème ça qui gagne, qui fait que comme naturellement Tabac licencié dans une zone qui plate, toutes les eaux qui arrivent des hauteurs de Pétionville et de Kinskoff, eh bien, ils ont abouti directement sur Tabac qui fait de l'eau, venir rester et le tasser en dedans Tabac. Mais si c'était de l'eau seulement, c'est un demi-mal. Il est absorbé par sol là. Mais il vient avec lui avec un cortège de détritus. Il vient avec lui un cortège d'immondices qui expliquait l'état de salubrité. Et ça crée une situation très difficile, notamment pour les gens qui ont dirigé Tabac et notamment pour les magistrats. Quel que soit le niveau d'effort qu'on fait, après chaque averse, on retrouve nos situations de salubrité. Mais malheureusement, expliquer ça justement à un riverain, un monde qui habite Tabac, les deux sales besoin lui-même, son ville propre, il a besoin exactement qui coûte et qui ça l'a coûté justement pour être capable comme ça. Et ces problèmes sont actuellement posés, malheureusement, mais nous connaissons que bon travail qui vous faites, il faut qu'on travaille de la systématique qui vous faites et travail là pas capable de faire sous Tabac seulement. Il va falloir que ça me donne une jonction qui fait en différentes communes, Kinskoff, Pétionville, Tabac, c'est ça me donne. Il faut que son projet intercommunal, justement, qui permette comme si me donne de l'eau qui saute en royo, puis aller directement vers la mer. Mais certainement, ce n'est pas avec les finances et de communes seulement qu'on résout le problème. Là. Il faut qu'au niveau de l'État central, une réflexion qui fait, parce que Tabac, c'est quand même, ça me donne un grand centre. Actuellement, Noël est même en plaque tournante, puisque quelque chose à jour viré ou passé par Tabac, ne serait-ce que pour la République dominicaine. Donc c'est la raison pour laquelle nous dit que normalement, on ne fait pas quoi que son problème qui est spécifique
à mairie à sol. Ministère Santé publique à population informée population a gagné 12 nouveaux cas confirmés à yon moun amplis qui mouri en bas COVID-19 lan nan date 8 mai 2021 en Haïti. Pou kounya gagné 13267 cas confirmés, 1926 moun qui passé l'hôpital, 269 moun qui mouri et puis 12397 moun traité. Ministère Santé publique à population mandé population a pour continuer respecter principe l'hygiène pendant li salye mémoire tout compatriote qui victime en bas maladie ça. Et puis ministère santé publique ak population dit li constaté depuis commencement mois mai 2021 cas positif COVID-19 la pas suspend augmenté. Pour raison ça, ministère santé publique ak population dit li activer toute santé surveillance épidémiologique yo et puis prend disposition pour gain plus surveillance nan port ak aéroport pour empêcher maladie a simaye nan pays a. Ministère santé publique ak population dit li compter sous support média yo pour continuer sensibiliser population pour capable respecter mes barrières qui c'est seul moyen pour combattre coronavirus là. Autorité la santé yo félicité population pour façon lité commencer lité contre COVID-19 là depuis dans mois mars 2020 pendant yo continuer encourager population pour respecter tout principe l'hygiène yo. Pétionville formation ça qui dirait 6 mois joint support gouvernement haïtien ak pays Canada. Cérémonie déroulée dans présence parents, amis, ak personnalités, différents secteurs. Esaïe Aurelius, Bernard Marseille. Yo c'est troisième cours inspecteur police qui gradué après plusieurs mois formation. Sur un total 94 nouveaux inspecteurs, gen 87 garçons ak 7 femmes. Formation cadre yo montre volonté institution policière pour renforcer tête li et puis avancer ak accomplissement mission d'après Jean Gardi Muscadin. Chaque fois, l'institution policière trouve l'opportunité de procéder à la formation des cadres de quelque niveau que ce soit, elle choisit de renforcer ses capacités. Disons mieux, elle choisit de niveler par le haut, de niveler par le centre. Bref, elle choisit de s'engager dans la voie de la consolidation et dans la restructuration. L'Académie nationale de police est fière de clôturer la préparation de cadres intermédiaires qui, loin de grossir la liste, viennent plutôt renforcer le niveau d'encadrement de l'institution. Mesdames, Messieurs, les récipiendaires ici présents sont au nombre de 94, dont 7 femmes et 87 hommes. Ils sont tous rentrés à l'Académie nationale de police par la grande porte, au moyen d'un processus de sélection limpide et rigoureux, conformément aux lois et au règlement en vigueur au sein de la PNH. Directeur général à e-Police nationale, là, Léon Charles, rappelé gradué au travail captain, il a encouragé à appliquer le principe qui est capable de faire fierté l'institution la police. Là. En tant que cheville ouvrière, vous êtes appelé à jouer un rôle déterminant dans la transmission des décisions prises par le commandement pour la bonne marche de l'institution. C'est pourquoi, sans votre dévouement et votre détermination, les objectifs poursuivis en matière de sécurité publique ne seront jamais atteints. Vous pouvez compter sur mon soutien et celui de tout le haut commandement dans l'accomplissement de la mission qui vous est dévolue. Toutes mes félicitations pour votre succès académique. La nation vous en sera reconnaissante à partir de la performance que vous aurez à démonter sur le terrain. Ministre Justice et Sécurité publique là, Wok Filer Vincent, rappelez nouveau inspecteur yo mission yo gagné pour participer dans bon fonctionnement travail PNH là. Il fait connait formation cadre ça yo vini dans un bon moment. L'inspecteur de police est le cadre intermédiaire par excellence qui assure le relais entre le corps des commissaires qui planifie et celui des agents qui exécutent. L'inspecteur police a donc pour rôle premier de superviser le travail des agents, de veiller à la bonne exécution des ordres reçus et des missions élaborées par les commissaires. L'inspecteur est donc
avant tout un homme de terrain, un modèle pour les agents dont il doit faire preuve à la fois de compréhension afin de partager et de comprendre leurs problèmes et également de fermeté afin de rapporter, de réprimander et de faire cesser toute dérive constatée. C'est la date 6 décembre 2020 passé, la formation nouveau inspecteur police Sayo commencé. Il fait partie plan développement sous plusieurs années, institution d'après responsable. L'Académie nationale de police est fière de clôturer la préparation de cadres intermédiaires qui, loin de grossir la liste, viennent plutôt renforcer le niveau d'encadrement de l'institution. Mesdames, messieurs, les récipiendaires ici présents sont au nombre de 94, dont 7 femmes et 87 hommes. Ils sont tous rentrés à l'Académie nationale de police par la grande porte, au moyen d'un processus de sélection limpide et rigoureux, conformément aux lois et aux règlements en vigueur au sein de la PNH. Ils étaient nombreux à prendre part à ce concours. Sur un effectif avoisinant 1 000 000, seulement 400 avaient finalement réussi. Ces inspecteurs élèves de la 3e cohorte sont parmi les 100 premiers de ces élus à être revêtus de la tenue cérémonielle aujourd'hui en raison de leur mérite individuel. Ils sont des cadres blanchis sur le harnais, ayant entre 17 et 23 ans de carrière au sein de l'institution. Rentrée à l'Académie le 6 décembre 2020, cette cohorte d'inspecteurs a suivi le programme court de formation initiale d'inspecteurs de police, code 260, d'une durée de 525 heures, équivalent à 35 unités, comportant 12 modules de formation axés principalement sur la gestion et sur la sécurité. Ces modules enseignés selon la méthode d'approche par compétences, APC, ont été complétés par des cours extracurriculaires et par 4 séminaires. Cette formation taillée sur mesure est dispensée par des professeurs chevronnés, triés sur le volet, que je tiens publiquement à féliciter et à remercier. Monsieur le ministre de la Justice, les cadres ici présents sont prêts et suffisamment outillés pour faire la différence et aider à la transformation de la police. Ils sont prêts à mettre le pied à l'étrier pour aider au rétablissement de la paix, de la sécurité et du vivre ensemble au sein de la communauté haïtienne. J'y crois fermement, monsieur le ministre de la Justice, pour les avoir côtoyés et évalués pendant les 5 derniers mois. De plus, ils ont tous pris l'engagement solennel devant le directeur général de la PNH dans le cadre d'une rencontre hier pour servir de canal et de leitmotiv en vue de redorer l'image de la PNH et améliorer la qualité de service fourni à la population. La police nationale est un des partenaires le plus important pour le Canada en Haïti. Nous appuyons la PNH pour mieux assurer la sécurité et la protection des citoyens haïtiens. Nous travaillons ensemble avec vous pour renforcer la PNH et lui permettre de poursuivre sa vocation comme garant de la sécurité publique au pays. De ce fait, le Canada est fier d'être impliqué dans cette cérémonie aujourd'hui, un moment historique. Aujourd'hui, on fête la graduation d'à peu près une centaine d'inspecteurs, des inspecteurs qui serviront leur pays avec une formation hautement professionnelle grâce aux efforts de plusieurs intervenants et formateurs rassemblés ici aujourd'hui. Être inspecteur est plus qu'une profession. C'est une vocation qui contribue largement
à assurer la réalisation du mandat de la PNH. Dans la chaîne de commandement, l'inspecteur joue un rôle clé en étant un modèle pour ses collègues et représente un haut degré de professionnalisation qui doit être affiché, renforcé et honoré tout au long de sa carrière. Juste hier, j'ai croisé une Haïtienne qui est venue s'adresser à moi avec son téléphone dans la main pour montrer encore une fois une autre triste vidéo, un clip vidéo encore une fois de ce qui paraissait être un cas d'un membre de la PNH qui tabassait un citoyen haïtien sans nécessairement avoir eu de provocation. Je sais que ce sont des cas exceptionnels. Et je sais que vous allez travailler pour être des modèles et des disciplinaires pour assurer que cette sorte de comportement ne soit pas la norme au sein de la PNH, mais l'exception rare, et de plus en plus rare, j'espère. Parce que vous, comme leader maintenant au sein de la PNH, vous êtes aussi leader dans la société haïtienne. Vous devez donner l'exemple et favoriser des pratiques qui permettent aux citoyens de jouir de leurs droits pleinement, de réduire la violence et de protéger le plus vulnérable dans la société, dans les femmes et les jeunes. Pour promouvoir l'état de droit et le respect des droits humains, vous devez aussi, bien sûr, faciliter le travail des journalistes et des médias qui couvrent des importants événements, des fois dans des contextes très difficiles. Dans cette optique, la formation en gestion policière et sécurité publique offerte par votre académie vise à apporter un appui dans l'exécution de vos fonctions, des fonctions qui sont centrales pour améliorer l'efficacité de la PNH. Elle vous permettra d'avancer professionnellement et de développer une meilleure vision de l'institution. La formation et le perfectionnement des cadres de la police nationale est au cœur de la professionnalisation de la PNH, un objectif clé du plan stratégique pour le développement de la PNH. Nous constatons que cette formation est une étape importante dans le processus de renforcement de la police nationale. Nous vous encourageons vers une continuation de votre perfectionnement. Et j'encourage encore une fois le gouvernement de continuer d'investir dans la PNH pour réaliser et mettre au pied pleinement son plan de développement stratégique qui compte entre autres doubler le nombre effectif de la police nationale sur le terrain national. Tout professionnel qui veut exceller dans son métier doit rechercher continuellement l'équilibre entre les deux ailes de la connaissance, à savoir la théorie et la pratique. Cette réalité s'impose à chacun de nous comme une loi naturelle qui enseigne que celui qui n'avance pas recule. Ce postulat est aussi vrai pour les fonctionnaires de police qui veulent se mettre au pas avec le temps pour pouvoir fournir un service de qualité à la population. Partant de cette idée, nous pouvons nous réjouir d'être ici en votre compagnie pour célébrer les vertus du savoir et de la compétence au sein de notre institution. Mesdames, Messieurs, ce sont en effet 94 fonctionnaires de police qui viennent de boucler le cycle de formation continue conçu pour les inspecteurs de la police nationale d'Haïti. Ces cadres intermédiaires ne sont pas nés de la dernière pluie, c'est-à-dire de jeunes policiers frais émoulus de l'Académie nationale de police qui se prépareraient à faire leurs premières armes dans le métier de policier. Ce sont au contraire des policiers achevés, des fonctionnaires de carrière et des commandants de troupes qui ont toutefois reconnu que tout savoir, quel qu'il soit, possède une date d'expiration. Aussi, malgré leur longue expérience de métier, ils ont accepté avec humilité de retourner à l'alma mater pour remettre en cause certains aspects de leur connaissance et de leur savoir-faire. Les membres du Haut Commandement et moi sommes satisfaits de la façon dont ce programme a été géré par les responsables de l'Académie nationale de police et de la performance des inspecteurs élèves
dans le cadre de l'approche par compétences. Je veux en profiter pour féliciter publiquement le directeur de l'ANP, l'inspecteur général Jacques Gardy Muscadin, et son équipe qui, malgré les multiples contraintes, ont fait du bon boulot. Mes remerciements s'adressent également aux partenaires de la communauté internationale, en particulier les Canadiens, pour tout le support financier et technique. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui me permet d'honorer le courage, la constance et la bonne volonté de ces récipiendaires qui ont consenti pas mal de sacrifices pour se perfectionner en vue de mieux servir la collectivité. Au moment où la demande en matière de sécurité va en augmentant et fait montrer partout la surenchère, la police nationale d'Haïti est soucieuse non seulement de diversifier les offres, mais surtout de combler les attentes de la population. Or, la voie la plus sûre pour atteindre ce standard consiste à poursuivre sans désemparer avec le processus de professionnalisation de ses membres en général et de ses cadres en particulier. Chers récipiendaires, votre participation à ce cycle de formation traduit le degré d'attachement et le respect que vous témoignez à la nation en général et à la PNH en particulier. Parmi les 12 modules qui ont été développés à votre intention au cours de ces 5 derniers mois d'apprentissage, je note plusieurs outils qui vous seront d'une grande utilité sur le terrain. À titre indicatif, je veux citer l'éthique, le leadership, la communication, la gestion des ressources humaines et matérielles, la planification des interventions policières et la rédaction des documents administratifs. Ce sont des compétences à perfectionner si vous voulez faire de différence dans vos structures de commandement. Ce ne sera pas toujours facile d'y arriver au premier coup, même avec toutes les bonnes théories en tête. Mais à force de persévérance, vous parviendrez à voir le bout du tunnel. Ne cessez jamais d'élever le niveau. Mesdames, Messieurs, les inspecteurs, inspecteurs de police ce matin, des potentiels inspecteurs principaux cet après-midi, en tant que cheville ouvrière, vous êtes appelés à jouer un rôle déterminant dans la transmission des décisions prises par le commandement pour la bonne marche de l'institution. C'est pourquoi, sans votre dévouement et votre détermination, les objectifs poursuivis en matière de sécurité publique ne seront jamais atteints. Vous pouvez compter sur mon soutien et celui de tout le haut commandement dans l'accomplissement de la mission qui vous est dévolue. Toutes mes félicitations pour votre succès académique. La nation vous en sera reconnaissante à partir de la performance que vous aurez à démontrer sur le terrain. Je vous ai félicité. Je vous invite à faire preuve de professionnalisme sur le terrain. Nous avons pris un engagement. Vous m'avez promis de nous aider à changer cette police, à remonter la pente. Je vous attends sur le terrain. Les moyens qui seront mis à ma disposition, je les mettrai sur le terrain pour que vous ayez un minimum. Vous n'aurez jamais le maximum de besoins, de matériel dont vous avez besoin. Mais avec le minimum, sachez que la meilleure ressource que vous aurez sur le terrain, c'est vous, ressources humaines, les nouveaux inspecteurs principaux que j'aurai à déployer sur le terrain. Cette cérémonie, en cette période difficile de la vie nationale, est très significative à de multiples égards. C'est un signe de résilience, de renouveau de cette institution régalienne de l'État chargée de la sécurité des vies et des biens des citoyens qu'est la police nationale d'Haïti. Cela démontre que malgré les soubresauts, malgré les turpitudes internes
due principalement à l'égarement de certains, cette vénérable institution a gagné en maturité et a su tirer les leçons des récents événements pour aborder l'avenir avec la force, le caractère et la sérénité nécessaires qu'exige sa noble mission. C'est en ce sens que la graduation de 94 inspecteurs élèves qui ont intégré l'Académie nationale de police depuis le 6 décembre 2020 a fait de recevoir la formation nécessaire de cadres intermédiaires arrive à un moment crucial et déterminant de la vie de cette institution. L'inspecteur de police est le cadre intermédiaire par excellence qui assure le relais entre le corps des commissaires qui planifient et celui des agents qui exécutent. L'inspecteur de police a donc pour rôle premier de superviser le travail des agents, de veiller à la bonne exécution des ordres reçus et des missions élaborées par les commissaires. L'inspecteur est donc avant tout un homme de terrain, un modèle pour les agents dont il doit faire preuve à la fois de compréhension afin de partager et de comprendre leurs problèmes et également de fermeté afin de rapporter, de réprimander et de faire cesser toute dérive constatée. Je vous exhorte à faire preuve de recul et de vision afin que vous ne vous comportiez plus dorénavant comme des agents, sinon vous n'aurez pas l'autorité nécessaire pour agir comme le confère votre grade. Au nom du président de la République, vous, les 94 inspecteurs élèves, dont 7 femmes qui vont recevoir votre diplôme, du moins qui ont reçu leur diplôme de l'Académie nationale de police, je vous dis que vous constituez l'épine dorsale, la colonne vertébrale de la PNH, autant dire, tant valent les inspecteurs, tant vaut la police nationale d'Haïti. Des défis à court terme, comme l'amélioration de la situation sécuritaire, l'organisation du référendum le 27 juin prochain et les élections générales à la fin de l'année, attendent la PNH. Vous n'avez donc droit à aucun répit. Je demande au commandant en chef de vous affecter au plus vite à votre poste car la nation attend votre apport sur le terrain. Montrez de quoi dont vous êtes capable. Faites la différence. La partie commune vous en sera éternellement reconnaissante. Vive la police nationale d'Haïti. Vive Haïti. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.